dit qu'après 1975, c'est le pouvoir des Khmers Rouges. Oui. Les Khmers Rouges commencent au pouvoir à partir de 17 avril et ça a duré jusqu'à le 7 janvier 1979. Donc précisément, le régime dure 3 ans, 8 mois et 20 jours. Ce mouvement révolutionnaire est soutenu depuis plusieurs années par une partie de l'opinion mondiale et bon nombre d'intellectuels. Et tandis que les derniers occidentaux quittent précipitamment la capitale, ce jour-là marque le point de départ d'un véritable génocide au Cambodge. 17 avril 1975, un rideau noir s'abat sur le Cambodge. Il n'y a plus d'image. Pol Pot, c'est le chef, le dirigeant du mouvement communiste. Il a fait des études en France et il était professeur dans un lycée à Phnom Penh. Quand il a pris au pouvoir en 17 avril 1975, il commence à vider les gens dans les villes. Donc toutes les grandes villes sont évacuées à la campagne. Et les gens qui sont à la campagne font des travaux forcés. Tout à fait. Ils demandent aux gens de partir pour aller à la campagne et ensuite ils ont forcé aux gens de cultiver en disant qu'on devrait pousser parce qu'on n'a rien à manger. Et Phnom Penh par exemple, pendant 4-5 heures, ils arrivent à évacuer presque 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants forcés. Même les gens qui sont malades dans les hôpitaux, ils ne donnent pas l'autorisation à rester, soigner. Donc il faut qu'ils partent complètement. Donc pendant l'évacuation, il y avait des milliers qui sont morts. Les enfants, ils ne trouvent plus les parents. Les personnes âgées sont tombées en pommes, malaise, voilà.